Bonne nouvelle pour la police nationale d'Haïti. Prière montée grâce à la Bisson. Ariel Henry récite il font bagay moun ka parler de lui. Déjà là, go paquet chef gang qui guet après les PDG patron yo pour demander qui jan ça fait fête, qui jan yo quitté bagay ça fait fête en dedans pays. Rete là, m'bral bon plus détails dans un petit moment. Gen lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux, yo, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus révoqué consul général Santiago Los Caballeros James Jacques. Est-ce que c'est avant incident qui rive République Dominicaine non, yo révoqué? Est-ce que c'est après incident yo révoqué? Si c'est après incident yo révoqué, pour qui? Si c'est avant incident yo révoqué, bien entendu, pour qui ça c'est qu'on y a lettre révocation prend la rue. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous Tech 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat. Mais je dis à la, son occasion spéciale pour tout garçon haïtien. Yo. Ah oui! Indépendamment de quoi on va vivre, vous mettre dans l'Europlan, en Asie, en Afrique, en Amérique, dans les Caraïbes. Jeudi dimanche, ça c'est fait papa, fait tout garçon haïtien. Gen zanmi k'ap mande, oh, Yannick, m'pa pran bonne fête papa comme ça, m'pa pran lè mi vide, m'pa pran sa enveloppe pa. Nan bien monsieur, mesdames yo di m que papa ou pa bay kòp pou fête la fête. Donc, n'a pas obligé pran Yannick pour petite finou un cadeau, m'espérer année prochaine si Dieu veut n'a pas fêté avec papa yo, même j'en ou kon fèl pou maman yo. Tout garçon jam, garçon courage qui pa peut sacrifier yo pour éducation petite yo, qui pa peut sacrifier yo pour kembe famille en vie vivant, bay madame yo sa ou besoin, bay timon yo sa ou besoin, bien jodi an. Son occasion spécial pour me souhaiter non joyeux cette des pères continuer rayonner continuer rester potomite en famille parce que on ne joue pas suffit non on ne joue pas suffit pour célébrer papa le sacrifice a fait et mais comme joue ça c'est joue qui consacre largement et pour fête des pères donc m'a souhaiter tout papa en joyeux cette particulièrement papa pam me sentir fier de moi il réalise un très bel travail papi chéri on connaît moi I love you so much donc qu'on y a repris là repris donc c'est comme ça nous faire c'est comme ça nous faire aujourd'hui mais l'année prochaine si Dieu veut tout papa va gagner enveloppe par en main parce que c'est comme ça moi même veux faire. Bon, nous allons parler pays là, nous allons faire des bambes pour des informations pour nous faire un peu de façon pour connaître qui décision réelle prend là, qui ça fait PNH content là, qui ça fait mesure de nous fâcher là tout. Et par rapport avec incident diplomatique qui passe en République Dominicaine, non? Et est-ce que ça, Jean-Victor Généus fait, est-ce que c'est ça le mérite fait? On a dit. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. D'entrée de jeu, avant même de rentrer dans l'émission pour aujourd'hui, il faut que je rappelle nous, si Zabolora yo, si a tout fait, si a fait ici, pas assassiner le président Jovenel Moïse, la Kaeli, 6 pour arriver 7 juillet, aujourd'hui, tu as pral marqué 54e anniversaire président Jovenel Moïse. Aujourd'hui, tu as fait Jovenel 54 ans. Et c'est le premier anniversaire que Timoun yo pral passer sans papa yo. Que Jovenel et Jomali, Jovenel Moïse Junior pral passer sans papa yo. Yo pa jwenn papa yo pou yo di papa yo joyeuse fête. C'est le premier anniversaire Martine pral passer sans Maril parce que criminel décidé assassiner tout yon président la Kaeli. Eh bien, jodi an tout, c'est fête des pères. Nous connaissons Jovenel papa, Jovenel grand-papa, tout. Donc, nous prenons déjà comprendre qui vide, qui sa moun sa va endurer, qui sa famille président Jovenel a endurer, qui sa proche yo a endurer par rapport avec visa que criminel yo quitté, par rapport avec visa que assassin yo quitté. C'est difficile. L'est difficile pour yo et c'est un moment qui pral
Ple a pral ouvri encore, c'est un moment, une occasion, cicatrice a pral ouvri encore. Eh bien, ma profite souhaite yon courage, toujours kembe courage yon. Et c'est pas un moment pour yon baisser les bras tout. Je ne yon a demandé pour yon faire silence, pour former Jovenel faire silence, pour pour Jovenel faire silence, pour payer en faire silence, rester en silence. Eh bien, c'est un moment pour yon réactiver yon. C'est un moment pour yon réactiver yon dans l'occasion fait des perlans. Son vide paternel qui l'a. C'est moment pour yon réactiver yon dans moment anniversaire Jovenel là. C'est un vide son papa calé, son mari calé et son proche, son ami, son frère, son cousin qui allait. C'est moment pour nous réactiver nous. Pour nous faire des voix nous, pour nous chercher qu'on exactement qui s'est passé, comment faire yon assassiner Jovenel Moïse. Et bon, son drame. Nous connaissons le drame, nous vivons le drame, nous vivons le drame. Et son drame, il faut que vous ne parlez pas, vous ne prêt pour fermer le chapitre. Parce que le pays n'a pas connu ça passé. Le pays n'a pas besoin de connaître ça passé. Haïtien n'a pas besoin de connaître ça passé. Donc, le chapitre Jovenel Moïse, j'en ai eu une bataille pour fermer là, il n'y a pas de fermer. Il n'y a pas de fermer, j'en ai eu. Vlel lan jan nèg yo exige la. Donc nous là n'a toujours remémorer ça qui a passé. Chaque ça qui implique Jovenel Moïse, faut nous parler de lui, faut nous mettre le sous tapis en façon non seulement ou même ou pas oublier ça qui passé, mais tout c'est occasion pour continuer identifier criminel yo, longer l'oeil sur yo en façon comme la justice pas voulu faire travail en Haïti, comme juge corrompu, yo pas ka faire travail en Haïti, mais opinion publique là, l'histoire a va songer comment Jovenel va mourir, qui est-ce qui t'a participé dans touyer Jovenel Moïse et pour qui ça nèg yo t'a choisi assassiner Jovenel Moïse. Eh bien, là pour marquer 54 ans président Jovenel Moïse t'a pral gagner, l'homme silencieux a finalement décidé de parler. Toujours en silence. Président, ancien président Michel Joseph Martelly, lui parlait dans l'occasion et 54 ans Jovenel. Lui parlait pour dire qui ça. Lui parlait pour exprimer qui ça. Jodi an la, tout débat tourné tout autour de parrain de Martelly qui gagne soi-disant pour avec assassinat président Jovenel Moïse. Soit parce qu'elle t'a agi, soit parce qu'elle pas agi. Nous tout nous parler de silence Martelly t'a fait promotion pour lui. Nous tout nous parler de silence Martelly parce que le pas jamais dit rien de sérieux dans silence lui. Il pas jamais dit rien de sérieux sous attendre nous sous ça nous t'attendre. Non, notre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Comment ça fait fait? Qui je ça fait fait? Qui est-ce qui était là-dedans? Qui est-ce qui pas là-dedans? Est-ce que lui-même tout était là-dedans? Eh bien, Martelly gon paquet de bagaille pour le dire. Il y a un paquet de bagages pour l'expliquer. Je dis, est-ce que ça Martelly dévoilé là? Est-ce que c'est lui-même ou t'abtonne? Est-ce que vérité Martelly parle là? Est-ce que c'est vérité ça ou t'abtonne? Parce que, bien entendu, pour Martelly, c'est une vérité. Est-ce que c'est la vraie vérité? En attendant. Prez, je dis à tap fort 54 ans. Et semaine qui a venu, a fait un an que vous allez. Un an. Et rien n'a pas changé. Au contraire, bagaille vient pis mal. Chaque jour nous sortons, nous ne pouvons pas nous entrer. Je dis à un haïtien pas qu'à planifier sous des mains. Vous demandez de faire silence et vous arrivez qu'un béo dans un silence éternel. Un an après, ça baille. Ça qui remet en yo, famille en yo, zami en yo, pepoua, tout le monde a souffri en silence. Malgré nous, nous tendez, nous comprendre, nous constater que tant qu'on y a un silence, la mort, la justice l'arrêté, bras croisés. Nous vivons un silence qui voulait dire toute bagaille. Un silence qui quitte place pour toute qualité bagaille. Tout partout gagne un silence qui a opprimé, qui a condamné, qui a détruit. Mais sans faire bruit, n'a continué travail parce que faut que Haïti change. Silence qui a révélé force et qui a mené réflexion. Même gens à n'importe l'autre âme, silence qui a servi pour protéger. Il y a courage. Et ma prédile encore,
silence fait plus bruit passe balle. Gen un gros poète qui te dit ça qui puis sacré passe silence c'est la vérité. Et le silence ça remplace la vérité. Yo ka fait tourner menti. Ou perdi la vie ou parce que ou pas d'accord fait silence. Mais nous pas quitter ou perdi dignité ou. N'a continuer faire silence. Tout menti pas fond. Mais un jour la vérité gen pour ba ou justice. Repose en paix mon frère. Bon, moi même ça qui vraiment attiré, c'est pas vidéo m'a délimité non. C'est pas message adressé en souvenir de Jovenel là non. C'est dans poste m'a télé faire. Tout menti par fond. Eh bien, qui le vérité sur assassinat président Jovenel là prend la rue tout bon. Parce que matin j'ai parlé là, li connait vérité, tout menti par fond. Gon bagay li konnen. Eh bien, so konnen, ki l'on pral décider 10 population haïtienne, 10 peuple a li. Obtenir c'est l'élection pral vini ou pour utiliser le comme cheval de bataille ou comme cheval pour faire campagne, comme porte de sortie ou comme pont pour passer. Parce que vérité soit assassinat président Jovenel Moïse, pas un nèg là qui pral vini prendre pour yo faire capital politique yo. Pour yo chercher des intérêts personnels là-dedans. Assassinat Jovenel là moi m'a toujours dit nous c'est tout un pays qui a genou même le nous haïtien pas prend ça à cœur même moi même l'homme senti que majorité population sont pas qu'ils ont qui tout le président ou assassiné président yo d'ailleurs yo pas qui yo pas comme ça pas interpeller conscience yo yo pas comprendre que nèg yo c'est caractère c'est image son mauvais message yo fait passer sur Haïti yo fait passer sur pays nous. Jodi an la, Mateli décide, non même logique en silence là, mettez un petit cal bagay dehors par rapport avec la vérité, en tout menti par fond, la vérité après la quand même, la vérité a blay quand même, etc. Mais jodi an peuple a tenu vérité. Hein? Jodi an vérité, moi même ta reme kon ki sa li réellement. Tout le monde la kap gade ta reme kon ki sa li. Si c'est ou gen vérité, mettez le dans la rue. Mais pas prend. Pas prendre peuple, pas continuer prendre peuple pour égarer, pas continuer prendre peuple pour imbécile. C'est pas seulement Mateli qui parle. Il y a un paquet d'autres collaborateurs et président, c'est président Jovenel Moïse qui parle, qui réagit par rapport avec Jodia, qui t'a marqué non seulement 54e anniversaire, mais tout en tant que papa, il a privé petit de monde, son crime qui fait. Nous pouvons comprendre que haïtiens, nous-mêmes, nous sommes nation à part. Nous sommes peuple spécial et spécialité ça nous spécialité nous gagne dans nous et nous t'aimer nous utiliser la bonisation, utiliser pour nous faire rehausser image pays, utiliser pour nous voir un message by nexa criminel yo, assassin yo, gang yo, bandi yo. Parce que nèg yo faut que suspend passer nous dans tête. Semaine passée nous n'entendait. Jodian là et moi-même son coup dur parce que retourner derrière, remémorer ça nèg yo fait Jovenel subi. Là m'a parlé et comme si m'a regardé radiographie, m'a regardé je nèg yo disséquer, je nèg yo tchaquer, je nèg yo morceler, couper Jovenel bout par bout. Casser côte, casser pied, fouiller bagaille dans tête etc. Ah, nous criminels trop. Nous criminels propres, je dis en la, pas de question, criminels, ça a été en liberté. Pas de question, il n'est plus que question que assassin aurait été en liberté. Mais pauvre de nous, pauvre pays. N'est-ce pas fait ça, qui n'est pas un complot, n'est-ce pas participé dans tout, et puis je dis en toute liberté, en toute quiétude d'esprit, il continue à péter chara, il continue à faire ça, il veut. Maintenant. Dans ce qui est pour avec bonne nouvelle qui a annoncé pour PNH pour la police nationale d'Haïti, eh bien, il y a un scoop de dernière heure. Bon information de dernière heure qui tombe là. Ariel est bon, tellement à tirer, tellement à couteau tirer de Ariel. Parce que à chaque fois, Ariel a fait promesse, il pral débloquer Matissan. À chaque fois, il a fait promesse, il pral résoudre problème insécurité, problème gang de dans le pays, on n'est pas jamais fait. Et puis, Zabolo Rayo continue à théoriser la population, à s'y mettre dans le temps.
petit peuple. Eh bien, gagné journaliste senior Gary Pierre Paul-Charles, et des fois même nous quand même considérer le comme porte-parole gouvernement, parce que toute information gouvernement a mettre dehors, c'est pas canalisé, c'est pas c'est pas voie de médial que vous faites. Donc là, finalement, il a annoncé que finalement gouvernement Ariel Henry a joint autorisation pour yo acheter un lot matériel important pour PNH. Et dans matériel ça yo gagne tank. Ah oui. Gagne tank. Nous tout pas demandé faut que la police soit bien équipée, faut que la police soit faut que policier joigne bon matériel là yo annoncé gagne tank, gagne munition, gagne blindé de haut niveau, gagne équipement de protection individuelle pour policier nous yo, gagne armes d'assaut, gagne les armes automatiques là-dedans yo gagne plusieurs M50 que PNH a commandé. Et gen drone tout, gagner des drones modernes qui ka aller là, qui ka voler sous tête village de Dieu, qui ka voler sous tête base la mort sans jour, qui ka voler sous tête nan entrepreneur vite l'homme nan, a chercher information, a regarder comment nèg yo et papillé yo, gardez qui matériel nèg yo gagne dans base yo, identifier point de sortie, identifier point d'entrée, si y a bon opération de police, si y a bon intervention, etc. Vous comprenez ça yo, là nous tande bonne nouvelle ça yo, yo extrêmement important, yo fait nous plaisir, parce que jodi nous t'a demandé pour la police gagne drone pour quadriller périmètre pour faire intervention jodi, parce que yo dit dans 10 jours matériel ça yo yo pral rive sou nou la. Donc, c'est occasion pour nous faire fête, c'est occasion pour nous bay policier nous yo courage, c'est occasion tout pour nous reconforter policier parce que nous connaît là. Nous connaît grand pile policier qui yo même mal. Autant des policiers yo vle travailler, yo vle à l'intervention pour pacifier pays et rive sou bandi yo, mais des policiers tout kou autant des matériel ça vini là. Yo pral travay kif kif. Ah, m'pa cacher di nos policiers, faut nous motiver, faut nous kembe moral la tête. Faut nous kembe moral la tête en façon pour nous ka vraiment respecter mission nous, engagement nous. Eh bien, matériel ça yo yo coûté l'état haïtien plus passer 12 millions de dollars américains. Et son l'argent qui décaissé, ministère économie des finances décaissé l'argent ça, et c'est un film étranger qui basé dans Canada, qui lui-même a des responsabilités pour livrer PNH tout matériel ça. Qu'on y a qui s'acrivé? D'habitude, nous connaissons, leur y a un contrat qui pour passer, toujours y a des intermédiaires. Que intermédiaire là li nan primature, que intermédiaire là dedans palais national, toujours gen nèg ki la pour faire l'argent sous l'état, toujours gen nèg ki la pour faire l'argent par yo, comment yo pour joindre ristoun ba yo, comme c'est yo joindre contrat, c'est yo qui joindre film là. Donc si contrat a passé pour 12 millions, nèg là depuis en l'air la bon 200 300 000 dollars clé. La fè nan contrat. C'est corruption. Donc pour foi ça. Pour foi ça, qui ça qui rive? L'État haïtien passe PNH passe contrat directement. Sans parler aucun intermédiaire, parler moun nan mi tap pral fè l'argent, yo passe contrat directement avec entreprise, avec firme qui gagne responsabilité pour livrer yo matériel sa yo. Eh bien, pendant contrat signé, te gagne une délégation expert qui sorti en dedans PNH, côté policier sa yo qui gagne qui a capacité pour yo tester matériel, qui a capacité pour yo vérifier est-ce que matériel yo adéquat, surtout dans ça qui a pour avec équipement individuel pour policier yo, est-ce que c'est vraiment ça policier a besoin là yo pral faire intervention. Donc t'es mon délégation qui sorti en dedans PNH qui allait Canada, qui allait rencontrer et moun ki nan entreprise, moun ki nan firme nan responsable yo, pour yo vérifier est-ce que réellement matériel yo pral vendre PNH c'est des matériels de qualité. Eh bien test yo fait matériel yo, bonne nouvelle, c'est des matériels de qualité yo ye. Et non seulement c'est des matériels de qualité, mais en dedans contrat PNH l'état haïtien passé avec firme nan, firme ça li gen responsabilité pour réparer matériel yo. Si gen matériel qui en panne pour le réparer yo, non seulement réparer yo, mais a gagner des pièces de rechange disponibles. Question pourtant de fin acheter ton matériel là, ou fin acheter ton chat, ou fin acheter ton toc, ou fin acheter zam nan bay problème, et puis c'est tout pour matériel ça, vous voyez non coin.
tout gaspiller l'argent, ça va être une question bagaille comme ça. Dans le contrat ça qui passe à firme, non, n'est-ce pas pour une fois, vous décidez de prendre responsabilité, yo. Non, mais pour vous dire, l'argent ça a plus passé 12 millions de dollars, ça va pas le gaspiller. Il va pas le gaspiller parce que yo assure yo que matériel yo c'est matériel de qualité, yo vérifie qualité matériel yo. Yo assure yo tout que le fin jouen matériel ça yo matériel yo pas pral perdu parce que firme nan pral gen responsabilité pour le kembe équipement yo en service. Pour checker sur équipement yo, pour faire réparation si besoin est, pour vérifier que matériel yo toujours fonctionner. Donc jodi an la, nous ka di non seulement PNH pour une bonne décision, nous ka di gouvernement Ariel Henry pour une fois tout li parler. C'est pas seulement parler là, yo décider pour yo agir dans intérêt population, dans intérêt PNH. Maintenant, c'est qui travail qui fait en dedans PNH pour retirer mauvais grain yo dans bon grain yo? Parce que nous connaît à terre là un paquet de policiers qui corrompu. Ça nous pas ka bay tête. Nous menti en dedans institution la police, un paquet de policiers qui poule de bord. Matin yo sous poste, aswa yo dans gang. Matin yo dans gang, aswa yo sous poste. Donc qui situation, qui mesure qui prend en dedans PNH, qui mesure IGPNH prend, qui mesure direction générale de la police en prend pour font passer mais en dedans institution parce que vini avec matériel yo c'est une, mettez matériel yo là c'est deux, à l'intervention c'est trois. Jouen succès dans l'intervention, c'est 4. Parce que depuis gen moun qui infiltré, depuis gen policier corrompu. Depuis qu'on intervention pral fait, même l'intervention li planifié à la dernière minute. Si pour bandi an konnen la konnen, si pour gang an konnen la konnen, et l'autre bagarre encore par rapport avec problème et sécurité, vini avec matériel, di population aujourd'hui. Réponse avec insécurité, c'est une question de temps. Pas de problème, c'est une question de depuis gen bon matériel, gen bon équipement pour policiers, c'est une question de temps. Kounye a, est-ce que nèg yo pa pral utiliser subterfuge ça pour yo faire peuple dodo meya, comprenant que matériel pral vini matériel là pendant que nous tout konnen gen sénateur, gen député, gen gros entrepreneur, gros businessman dans le pays, c'est eux même qui fourni bandi zam, c'est eux même qui fourni bandi munition. Est-ce que bon qui jouent ou bien yon pral mette action publique en mouvement, même là nous connaît, nous pas gon justice rendu dans le pays. Mais est-ce que y a des interventions qui pral fait pour stopper nèg sa yo? Nèg qui gen port privé, qui gen douane yo, côté zam ap rentre, et côté yo gen laisse passer dans douane, sénateur gen laisse passer dans douane, ou pas ka fouye camion marchandise, etc. Qui sal pote la dan zam munition pour al vendre bandi, pour al vendre sous marché noir? Est-ce que je dis à la autorité concernée yo pral prendre responsabilité yo pour yo identifier tout mauvais grain sa yo, pour yo identifier toute cause insécurité sa yo, et puis pour yo mette yo en côté en façon vraiment pour yo ka résoudre insécurité. Problème de sécurité. Parce que quand vous voulez le parler, c'est vrai PNH a besoin de matériel adéquat. C'est vrai policier a besoin de bon genre équipement individuel pour bien équiper, pour aller combattre gang, combattre délinquants. Mais tout, si vous pas résoudre le problème de sécurité en amont, c'est comme si c'est corvé qu'a fait. Nèg sa yo qui a rentré zam dans le pays ou pas qu'a checker zam parce que c'est même groupe bandi légal ou pas qu'a checker zam c'est même nèg pouvoir ou pas qu'a checker zam c'est gros entrepreneur qui sous prétexte de franchise etc. yo fait ça ou les gens ou les dans le pays pas gagne une certaine régulation, pas un contrôle qui fait vraiment. Est-ce que nous comprenons problème de sécurité? C'est pas seulement une question de bandi à sa patte. C'est pas seulement une question de gang qui a multiplié, son problème qui dépasse en cette question de nèg exam. Nous besoin résoudre problème insécurité de manière institutionnelle avant tout. Je dis, si la justice a fait travail, le identifié on est qui a 20 ans de dans pays. Il y a toute preuve à l'appui, la 20 ans, la fait trafic munition de dans pays. Le arrêté, nèg ça connaît son crime la fait. Il pas bra jeune un juge qui redéfinit infraction là crime mettez là retirer le crime, mettre le dans délit, retirer le stade criminel, juste considérer son monde qui font infraction correctionnelle, et puis, nèg la ta supposé prendre 20 ans prison, ou donner la prendre 5 ans prison. Là, ce problème institutionnel, faut que la justice mette campé, faut que yon recampé figure la justice, faut que yon assure yon retire juge corrompu en dedans système, non, faut que yon assure yon retire commissaire gouvernement corrompu en dedans système, non, faut que yon assure yon nèg pap ka rentre n'importe qui, Jean yon vle n'importe qui, le vin casse greffe tribunal, vol au dossier. Allez, est-ce que nous comprenons tout ça fait partie de l'insécurité? Nèg la met nan tèt li, si t'es gen justice, gen bagay li pa t'ap kase. Si t'es gen justice, bon comportement li gen, je dis, li pa t'ap gen.
bien, bon, yon connaît pas la justice. Yon connaît la justice, c'est vendu au plus offrant. Moun qui gagne plus l'argent, c'est lui-même. C'est Nexa qui a sorti impuni. Donc, qui sauve-le? Qui sauve-le? Donc, moun yon yon tout comportement criminel. Yon fait tout ça criminel en dedans pays. Yon, pas gen moun qui pou stopper yon, pas gen moun qui pou dire rien. Ça, c'est yon. Ah, bien. Et de même pour bandi yon gen patron. Bandi yon gen PDG. Koun yon l'autre de information ça. Le bandi yon gen le gros patron le PDG. Ça passe m'pa comprenne. Comment fait la police pral gen drone? Comment fait la police pral gen M50? Comment fait la police yon pral gen équipement individuel? Comment ça se fait? Nous pral gen tank. Ah non mon cher. Si nèg yon gen tank, forme je nos âmes qui ka pèse. Vous comprenne? Koun yon nèg sa yon qui a fait trafic. Zam koun sa yon pral fait. Comme pas de des mesures qui prend compte même pour mettre en côté suspend faire corruption suspend bay bandisam pour tout petit peuple là qu'il y a nèg za yo ou quand yo pral passer pi yo yo pral chercher moyen pour yo bay bandi yo pi gros âme bay bandi yo des âmes qui ka bataille avec policiers etc. C'est ça on pral faire mais jodi an bataille sécurité non seulement c'est arrivé stopper bandi an nèg exam nan qui dernier point là mais c'est passé contrôler droit nous. Contrôlez pour privé ou, mettez campé la justice en dedans pays ou, assurez que clean PNH retire mauvais grain yo, et puis après qu'on y a le, toutes conditions sa ou réuni, le PNH, le policier nous mette pied ou à terre, qu'on y a peuple après confiance, n'a pas joué un résultat. Et bon, j'en ai un résultat, n'a pas joué non, faut que yo passe dans toute étape sa yo. Est-ce que nous comprenons qui réalité gen la son bataille qui est difficile, oui? Et vle pas vle fok nous gen bataille ça. Vle pas vle fok population gen bataille ça. Gen bien longtemps gang, bien longtemps bandi ap terrorise population. Ap touye petit peuple, viole petit peuple, kidnappe petit peuple, gade qui sa krive. Gade qui sa krive, mon cher sœur. Ou tentative kidnapping raté, et puis soit en réa, yon assassiné. Yon assassiné en moun, peu importe si yon étranger, parce que jodi an la, logique la, yon plus vle fort comprendre c'est étranger qui a détruit pays nous, alors que nous parents nous compte, nous sommes peuple, nous condamnons tête, nous pour nous vivre dans la médiocrité, nous condamnons tête, nous pour nous vivre, et pour nous vivre mauvais vie, nous vivre en Haïti. Pour qui ça? Parce que, si problème yo la, solution yo la. Mais si c'est moun sa yo qui t'a supposé jouer une solution, c'est yo même qui crée problème. Nous pas qu'à jodi tolérer moun sa yo, nous pas qu'à jodi accepter moun sa yo. L'op gade comment nèg yo assassiné mea. L'op gade comment nèg yo assassiné un moun. Pendant tout temps ça te kal vivre dans pays, qui te kal utile pays, li choisi le rete à éduquer des générations. Li est forcé malgré tout ça au cas de Haïti, il choisit rester là, il rester là, il rester là, contribution le porter dans l'éducation la baille dans l'école que li enseigner. Mais bon prix pour ça, pas bon prix pour éducation joine là non, pas bon prix pour éducation joine là. Jodi en là, et problème insécurité, on parle de li, nous parle de li en pile. Et gouvernement en réalité, il font paquet de promesses. Est-ce que dans 10 jours, est-ce que promesse ça yo pral abouti? Est-ce que dans 10 jours nous ka attendre que équipement yo pral distribuer, équipement yo pral livrer, policier yo pral content tout bon, PNH pral content tout bon, population pral content tout bon. Pendant nous pral content, pendant nous fait prévision contentement ça yo, faut nous assurer nous que nèg yo prend responsabilité yo. Gardez combien 2 semaines après là, ils ont style dans paquet. Ils ont style à faire des bandes dans paquet, li style à tailler bandana dans paquet. À qui la faute? Autorité nous yo. À qui la faute? Moun sa yo qui gen responsabilité pour résoudre problème de sécurité, pour résoudre problème criminalité en dedans pays, c'est eux même qui responsable. Sinon jodi comment t'as fait Izo? Si on regarde dans qui intervalle Izo a fait parler de lui. Anel vin mouri pour un, Izo pour deux. Izo pour deux, Izo tout côté Izo. Mais bagay ça pas possible. Et où vient trouver nos situations depuis les années ils ont fini assassiner policiers dans le village, ils ont fini prendre plus confiance dans tête. Parce que si tu as une intervention qui t'est faite, si tu as une intervention PNH t'est faite, au moins pour montrer que la baie n'est village de Dieu, la baie ils ont en réponse, garant tout, gens ils ont populaire, je dis, ils ont pas d'exister comme ça. Tellement nèg yo ouais la police pas réglé rien par rapport avec leur frère d'homme tombé leur bandi assassiné policier pareil yo croisé bras a regarder CSPN pas réglé en merde parce que yo préféré payer bandi pour yo prendre chablende yo. Donc je dis la bandi en sentir confortable la pouvait colle. La pouvè kol et yo profite tuer petit peuple, y a fait kidnapping, y a fait ça yo vle. Koun ya on gen impression yo rete pour yo prendre parler national pour yo déclarer tête yo président de la République. Bon, dernier coup pour tout yon coup pour là, nèg village yo, nèg izo yo décide,
faut parlement paye aussi si parlementaire aussi nèg tire sénat dit sénateur au besoin aller al va activité au va qui activité m'pa connaît si on veut descendre dans parlement faut qu'yo paye on zoom l'argent yo décider là yo monter sur téléphone yo relé question hein? Yore le sénateur Fétier, ou konon bagay, fok nou négocier si nou vle utiliser parlement, vin travay, vin fonctionner normalement. So attendez, papa yé ta met kol de yo, oui. Président sénat, président tire sénat, sénateur Lambert, sermenté 7 fois 7 fois, pa gen question yo pral deal avec bandi, pa gen question yo pral négocier avec bandi, pa gon yo ta parlement ici a paye pour al fonctionner dans parlement. Ou al comprenn? Question négocier à bandi, yo dou yo pala dan. C'est une bonne initiative. Question pour négocier à bandi, d'accord, et sénateur Adou lui-même n'est pas négocier, il va pas faire deal à bandi. Mais qui ça n'est pas faire dans parlement tout. Bon, mais primature là, il y a 2 semaines pour que primature fermé. Il y a 2 semaines, pas aucun employé descend, non bisentenaire le travail dans primature. Peut-être insécurité, peut-être bandi. Même genre, on pense dit sénateur descend dans parlement, ça y a le fait. Qui ça y a le fait? Qui ça y a le fait? Nous pas bon parlement fonctionnel non. C'est Jérôme Jem, j'ai l'impression pour Ariel pas prendre plus secousse dans mes nègres. Qui fait 2e lundi janvier, yo te il était décidé prolonger tirage mandat nègres oui. Mais parlement était fermé bien longtemps. Parlement était fermé bien longtemps depuis le 10 sénateurs, parlement était dysfonctionnel, pas grand sérieux qui t'a réglé. Est-ce que nous comprenons? Donc négocier pas négocier à bandit, ça pas retirer perception opinion de nous-mêmes. Ça pas retirer perception population haïtienne de nous-mêmes, comment nous participer dans craser société, comment nous participer dans effondrement l'état haïtien. Là, nous prenons un petit pause, mon gars, pour retourner avec dossier révocation consul James Jacquelin, parce que nous, pas sérieux, quand machin dans le pays. Sérieux. Là, chancelier haïtien Jean-Victor Généreux, on dirait que nous avons fini de quoi net. Nous prenons un petit pause, mon gars, pour retourner après. Genban, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverneux pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détiré nan longueur ak nan largeur. Bon, nous tout nous wè ki sa te passé en République Dominicaine. Hier, nous levé vidéo viral ça qui passé avec yon consul ou yon ex-consul général nan Santiago. Eh bien, après incident, après situation, comme d'habitude, un pile haïtien indigné, nous fâché, nous révolté, crier, conscience yo touché, toujours dans le téléphone. Parce que c'est courant, c'est monnaie courante, réaction, c'est toujours dans le téléphone, nous fait. Mais, décider fouler béton, voyons un message clair à l'autorité, jamais nous pas fait. Eh bien, en guise de réaction par bon côté autorité concernée, par bon côté et chef diplomatie haïtienne et ministre affaires étrangères Jean-Victor Généreux, nous t'attendons pour venir font parler, venir expliquer, venir condamner ça fait là etc. Parce que il y a un consul qui a agressé un diplomate haïtien qui a agressé, veut pas avouer ça, c'est une forme d'agression. Eh bien, en guise de réaction, qui ça qui fait son publication qui fait m'a regardé là, m'y est devant Jimna, en grande lettre, en grande manchette, ministère des Affaires étrangères et des cultes. TG 01-2022. Le ministre des Affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de la République dominicaine en Haïti et a l'honneur d'attirer son attention sur le fait que l'ex-consul James Jacques du consulat d'Haïti à Santiago n'a ni titre ni qualité pour signer un accord avec des entités administratives dominicaines. Monsieur Jacques a été rappelé et attend l'arrivée de son successeur pour retourner au pays. Le ministre des Affaires étrangères saisit l'occasion pour renouveler à l'ambassade de la République dominicaine en Haïti
l'assurance de sa haute considération. Port-au-Prince, le 6 juin 2022. Ça veut dire qui ça? Let ça veut dire ça veut dire. Depuis 6 juin 2022, James Jacques pas dans diplomatie haïtienne. James Jacques n'est pas représenté l'État haïtien dans le consulat Santiago. James Jacques a retiré, il a révoqué. En termes diplomatiques, il a relé ça rappelé. Ils ont fait un rappel. Ils ont relé pour retourner dans la base, retourner à la caille. Il y a l'incident passé, hein. Et information, yo, premier élément d'information qui rejoint tout le monde, qui rejoint moi, fait qu'on est que gain consul général et haïtien dans Santiago, dans consulat et Santiago, que dominicain malmené, dominicain yo secoué, saccagé, etc. Combien a l'ovin joine en guise de réaction par bon côté autorité ou par bon côté Jean-Victor Généus ou joine ces publications lettre ça qui a circulé, lettre de révocation ben lettre de rappel ça qui a circulé. Ça veut dire qui ça? Je dis en là, est-ce que lettre ça li vin renforcer position dominicain yo, gouvernement dominicain ou bien autorité dominicaine yo, parce que gen information k'ap di ki fait quoi que moun yo arrêté yo c'est moun qui t'a fait trafic passeport, qui t'a fait trafic et document administratif etc. Gen information ki dou nèg sa yo yo violé loi dominicaine nan. Donc, konye a, malgré situation sortant de là, gros violation qui fait par bon côté droit haïtien qui vivent en République dominicaine. Là, pour un entrepreneur haïtien qui décide d'investir des millions en République dominicaine pour faire fonctionner l'économie dominicaine, non. Bay dominicain travail. Pour payer courant dominicani, payer bilan dominicani, ça, yo itil économie dominicaine, non. Yo itil finance dominicaine, non. Mais en guise de réaction par bon côté autorité, c'est seulement de ça yo parle. Yo seulement parlé que James Jacques yo te gete révoqué Haïti pa rien pour avec ancien consul ça yo lavé mais autant coup Pilate et m'a dit non bien entendu si James Jacques pendant yo rappelé pendant yo révoqué là li estimé pour la passer et des accords avec gouvernement dominicain des accords administratifs avec gouvernement dominicain là li en violation ça c'est tout un autre débat et là ça si non seulement République dominicaine ou bien gouvernement haïtien prend des mesures contre lui-même, ça c'est lui qui a cherché. Mais dans ça qui est pour avec violation qui fait dans restaurant, violation qui fait sous haïtien, violation qui fait sous ex-consul, etc., les inapproprié pour c'est ça pour ne rien faire sortir. Même là, une fois, on a parlé de publication qui pas gagné par bon côté autorité concernée, yo. Yo pas jamais pris temps, yo. Là, yo font révocation, ou bien là, yo font nomination pour informer public, là. Eh bien, je dis là, c'est pas seulement temps, yo pas prend. Yo recraché encore sous sa passé, yo recraché sous dignité haïtienne en République dominicaine. Yo vin renforcer haine, yo vin renforcer mépris que dominicain gagne pour haïtien, là. M'pas demandé pour laver l'installation en famille, m'pas demandé pour faire bagaille en batab, mais au moins nèg yo ta gagné décence pour dire que comportement agent immigration yo fait sous haïtien yo li excessif, li inapproprié etc. Donc là moun pou blâmer yo, moun pour aller les oreilles, aura les oreilles yo, mais là son seul coup de cloche qui bail. Jean-Victor Généus son seul coup de cloche li bay et coup de cloche li bay là là li plus nan intérêt dominicain yo li plus nan intérêt République dominicaine li plus nan intérêt Luis Abinader que ta nan intérêt haïtien yo. Est-ce qu'on comprend? C'est pas 2-3 haïtiens qui investissent en République dominicaine. C'est pas 2-3 haïtiens qui dépensent des millions en République dominicaine pour investir. Eh bien, puisque l'État haïtien pas protéger droit aux sortissants, yo pas protéger droit haïtien qui a vivre en République dominicaine yo, je dis en là, au bon matin si Dominique, si Saint-Domingue, dominicain ont décidé yo nationaliser depuis ses business haïtien gain l'autre bois. Qui ça t'a dit? On pas t'a dit tout non. Nous pas au bon matin, nous pas au bon matin. Puis ou instance judiciaire en République dominicaine, nous pas ça ont fait, yo ont décidé de dénationaliser un paquet dominicain soi-disant c'est dominicain d'origine haïtienne. Dominicain d'origine haïtienne, yo décidé yo retirer nationalité dominicaine yo, c'est haïtien yo et moun sa yo, yo te vin apatride jusqu'à ce que yo te retourné sous décision etc. etc. Mais son et même Jean Bomateo qui a décidé depuis c'est haïtien gain business en République dominicaine, yo nationaliser
Pas du budget ça, pas pour Haïtien, encore budget dominicain, oui. Laisse à qui soit prêt à le dire. Ou gen moun qui pour protéger ou gen moun qui pour défendre nous, ou gen moun qui pour camper avant ou? Non. Non. Jodi an là, fok Haïtien, mette nan tête li, la kay voisin, pas la kay li. Si la kay nou te bon, tout ça nous al fè l'autre bon, nous te ka fè la kay nou. Et pour la kay nou bon, c'est pas chita ton la kay nou pral ranger sans que nous même nous pas participer dans le changement. C'est que nous-mêmes nous pas intervenu sous terrain pour exiger autorité ou responsabilité. Le fait que nous choisissons faire silence, silence nous en tout les traduit passivité, les traduit acceptation nous par rapport avec toute dérive qui est là. Les nègres la volent, les nègres la font corruption, les nègres la financent gang, les nègres la baillent bandisam. Nous tous nous courir, nous fuir, nous boire, nous prendre malade, nous prendre toute bagarre, nous courir, nous quitter pays. C'est dit nous les fait toujours. Fait toujours. Allez, allez. Mais, joue ici, ensemble, décide, mettez campé, mettez tête sur ensemble. Ah, question pour un gars, rester dans tes pays, avec, li pa gen mandat, li pa gen date, li pa gen, li pa gen objectif, bah, ça, c'est fini. Eh bien, je dis là, puisque nous, on est pas prêt à pour pays, on pas prêt à pour nous, eh bien, on nous prend destin, nous, mais, on nous prend avenir pays, nous, non, mais, parce que la caille, moun, pas la caille, nous, c'est nous pour faire la caille, nous, c'est nous pour changer la caille, nous. Et là, on a parlé de Santiago. C'est là au paquet haïtien dans l'université, au paquet haïtien à étudier, c'est là au paquet haïtien à dépenser l'argent, on fait shopping, dans le week etc. Ou ouais, on va garder nous pour nous, ou ouais, on va respecter nous pour rien. Et là, bataille dominicaine menée contre haïtien, c'est son question de anti-haïtianisme, son question de racisme. Donc, ou pas on va retirer ça dans tête nèg là, ou pas on va retirer ça dans tête dominicain. Dominicain ou pas vle ou haïtien, point boule. C'est ça lié. Donc là, responsabilité c'est responsabilité haïtienne, ni action c'est haïtien pour poser yo. Et n'a fait ça pour nous faire. N'a fait ça pour nous faire, ça nous doit faire, n'a fait au moment nous doit faire. Donc je pense là, nous dit tout ça pour nous dédier, nous tout ça pour nous té ouais dans émission pour aujourd'hui là. Rendez-vous en licacé pour demain des micro présentations, c'est toujours même Yannick la même voix. Rien pas changé, merci tout le monde, à la prochaine. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique, il est non-dit. Mon éditorial, on dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là.